Il y a un an, je vous ai partagé la première vidéo sur la restauration de ma 2CV où j'avais repeint mon châssis et depuis, il s'en est passé des choses. J'ai remonté tout le train roulant, j'ai révisé le moteur, j'ai changé tout le soubassement, j'ai repeint 4 fois la caisse, posé les portes, branché le faisceau électrique et il y a quelques jours, j'ai même pu faire le premier tour. Bref, le projet commence à toucher à sa fin et purée, c'est déjà l'avant-dernier épisode ? Oui, je sais, c'est passé vite. Mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve encore quelques surprises et d'ici quelques semaines, je vous présenterai mon nouveau projet. Alors, pensez à vous abonner pour ne rien louper. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette 2CV ? Eh bien, pas mal de choses. Lors du premier tour, j'ai remarqué pas mal d'anomalies. Des soucis au niveau du carburateur, des freins, de l'électricité et surtout de l'étanchéité de l'échappement. Alors, dans cet épisode, je vais m'occuper de résoudre ces problèmes et surtout de remonter les derniers éléments de carrosserie. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Rénov 2CV. Vous commencez à les connaître puisque c'est eux qui m'accompagnent dans le remontage de ma 2CV. Ils sont spécialisés dans la refabrication de pièces neuves pour 2CV, Diane, Mary et même Ami. Ils proposent un peu plus de 3000 références, des pièces nécessaires à l'entretien, à la réparation et même à la restauration complète d'une caisse. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez profiter de 10% de réduction sur votre commande avec le code MYVADIS. Les liens et toutes les informations sont en description. Pour ce premier tour, j'avais mis un vieux capot car le mien était en cours de séchage. Eh bien, ça y est, il est sec, alors j'ai pu le poser avec l'aide de mon père. Pour le fixer, il suffit de glisser dans la charnière. Alors, je suis très contente du résultat, mais en plus de la plaque, il manque un petit quelque chose. Alors, j'ai ouvert le capot pour m'en occuper. Pour la pose, c'est rien de compliqué. Je viens en fait chausser un lac à l'an. Il faut ensuite ajouter une grille anti-moustique qui va être retenue avec 4 vis. Une fois fixé, il est temps de voir à quoi ça ressemble. Eh mais vous voyez pas, attendez. Ça fait un peu trop neuf. En même temps, c'est un peu une voiture neuve, mais... Bon, il faut avouer que je n'étais pas tout à fait convaincue par ce modèle de calandre, mais bon. Bon, écoutez, tant qu'on est dans, on va dire, l'habillage, je vais poser la petite plaque, je crois que c'est la plaque constructeur. On va poser ça avec des rivets. J'ai regardé le sens, normalement, et elle se met comme ça. Ah oui, c'est vrai, il y a les 11 000 couches de peinture. Voilà. Voilà. Parfait. Bon, on va déjà mettre celle-là. Déjà. Ben voilà. Celle-là est posée. Et voilà. C'est posé. Et tant que j'y suis, je vais aussi fixer les bavettes des ailes avec des gros rivets. Ah, voilà. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Ah. Ah, comme ça, c'est trop beau. Ah oui, et vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais réglé les culbuteurs. En fait, j'avais mal remis les joints du cache-culbuteur, résultat, j'avais de l'huile partout. Du coup, j'ai enlevé les cache-culbuteurs et j'ai remis les joints correctement. Une autre chose très importante que j'ai faite, c'est de vérifier le serrage de toutes mes vis et de les marquer. Ça évite de se retrouver avec un amortisseur à moitié par terre. Purée de punaise. Je viens de voir un truc qui est pas bien du tout. En fait, l'amortisseur il tient plus que sur une seule vis là. Ensuite, je me suis occupée de changer les colliers d'échappement. Mais avant ça, j'ai poncé la calamine et j'ai dégraissé. Maintenant que c'est propre, on va mettre du mastic de montage pour échappement. Ça va être une sécurité en fait en plus. On va prendre les colliers. Donc ce qui est bien avec ces colliers, c'est qu'ils ressemblent à des colliers d'origine, sauf que là, du coup, ils viennent en fait se toucher. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour être sûr, je vais aussi les enduire de mastic. Alors comme il faut que ça sèche une nuit, on ne fera que le test demain. Ah, voilà. L'idée, c'est de serrer progressivement et de s'assurer que les échangeurs d'air soient bien plaqués.
Bon, comme il faut laisser sécher quelques heures, je passe à la suite. Vous l'avez sûrement remarqué, mais entre chaque plan, alors une fois il y a les ailes, une fois il n'y a pas les ailes. Enfin, là, il n'y a même pas le pare-choc. Parce qu'en fait, chaque fois, ça me dérange pour travailler, mais le problème, c'est que j'ai pas trop envie de les laisser traîner. Alors, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vraiment régler toute la mécanique, là, que j'allais vraiment prendre le temps de faire que ça, parce que je fais un petit peu d'électricité et tout ça. Enfin, je fais que des petits trucs chaque fois. Donc là, le but, attention, ça va être de graisser les axes de pivot. Donc, bien y aller à fond. Et ensuite, graisser les cardans. Donc, pour ça, on va soulever la voiture, en tout cas pour les axes de pivot. Et après, peut-être les cardans, je le fais quand la voiture est à plat. Donc, voilà. Je me suis acheté une pompe à graisse, du coup. Et j'ai mis de la graisse à roulement. Mais en tout cas, c'est des trucs qu'il faut faire souvent sur une 2 chevaux. Comme ça, elle dure longtemps. À titre indicatif, il faut graisser les transmissions et les axes de pivot tous les 5000 km, c'est-à-dire à chaque vidange. Normalement, là, on est centré. Ah, ça y est, tout le monde est debout. Et donc, comme ça, là, on va pouvoir graisser d'un côté comme de l'autre. Pour être sûr de bien graisser les axes de pivot, il faut le faire avec la roue droite, vers la gauche, puis vers la droite. Et surtout, il faut voir l'ancienne graisse ressortir, comme ici. Bon, t'as cherché un chiffon ? Hop. Après ça, j'ai profité d'avoir les roues en l'air pour contrôler les jeux dans les roulements. Il y a un jeu de malade. De ce côté-là, ça a l'air un peu plus léger. Non, c'est pas les axes. Non, c'est vraiment le roulement. Bon, ici, c'est un peu plus léger. Enfin, moi, il faut quand même changer, quoi. Il est temps de tester l'arrière. Et... surprise, il y a du jeu. Il va falloir changer les 4 roulements. J'ai déjà vu faire, j'ai déjà un peu fait, mais j'ai jamais fait toute seule à la maison. Donc j'ai quand même un peu peur. J'allais dire, c'est pas exagéré, c'est quand même exagéré. Normalement, ça devrait pas faire autant. Donc écoutez, je vais voir de l'autre côté, mais bon, si déjà il faut en changer 3, je veux bien en changer 4. Et là, surprise. Oh, surprise, il y a aussi du jeu dedans. Bon, bah voilà. Je sais quoi faire, il faut commander des roulements. En même temps, je m'attendais à quoi Bon, en vrai, j'espérais que j'ai rien à faire. Bon. Quand j'ai fait ce premier tour, je ne vous ai pas tout montré. Enfin, je vous ai surtout pas fait tout entendre. J'avais un sérieux problème avec le câble d'accélérateur et le carburateur. Lorsque je relâchais la pédale, eh bien, elle ne voulait pas toujours revenir. Résultat, la voiture accélérait toute seule. Deuxième chose, à certains moments, le moteur montait dans les tours. Ça peut être la cause d'un manque d'étanchéité entre le carburateur et la pipe d'admission. La première chose à faire, c'est de changer le câble d'accélérateur. Je viens d'enlever le câble d'accélérateur de la 2 chevaux parce que quand je roulais, il y a vraiment eu pas mal de problèmes par rapport à ça. J'ai l'impression que la pédale ne revenait pas correctement. Je l'avais plusieurs fois graissé, j'avais mis du spray dedans. Alors, ça bouge, mais on sent que ça a du mal à revenir. Donc l'idée, c'est de mettre un nouveau câble qui lui est beaucoup plus réactif puisqu'il est neuf, alors que celui-là, au retour c'est vraiment différent. Donc je vais poser celui-là et puis j'avais l'air perdu, mais ouais. Oui, je vais bien changer ce câble. Comme ça devrait aller un peu mieux. Moi je m'étais un petit peu énervée là en posant le câble parce que j'arrivais pas bien à mettre le circlips. Mais là du coup tout ce qui me reste à faire maintenant, ça va être juste de régler là l'accélérateur. Alors, je vais le régler plus ou moins comme je l'avais fait avant. On va mettre ça comme ça. Moi, je vais pouvoir mettre la boîte à air. Il n'y a plus qu'à mettre le nouveau filtre à air. Et voilà. Et j'oublie pas de mettre la durite entre le reniflard et la boîte à air. Voilà.
Une fois mise en place, j'ai pu démarrer le moteur et commencer le réglage du ralenti grâce à la vis de richesse. Pour faire ce réglage, je me suis reporté un article qui dit qu'il faut fermer la vis de richesse jusqu'à que le moteur commence à étouffer et à ralentir. Puis, il faut la réouvrir lentement afin de retrouver le régime maximal du moteur. Bon, eh bien, c'est ce que j'ai tenté de faire et puis écoutez, on dirait que ça fonctionne. Écoutez, je l'ai laissé tourner maintenant quand même quelques minutes. J'ai l'impression que ça va mieux. Mais en gros, ce que j'ai fait, j'ai démonté le carburateur et j'ai renettoyé parce que des fois, il y avait comme s'il y avait de l'air qui rentrait. Ce qui fait que d'un coup, la voiture, elle partait dans les trous. Et surtout, regardez-moi comme ces câbles sont durs. Ils sont durs comme tout. Alors ce que je vais faire, ben, je vais les changer. Et je vais aussi changer les bougies parce que j'avais gardé celles d'origine. Bon ben, tant que j'y suis, autant les changer. On enlève ce câble. On va changer les petites bougies. Ouais. Elles sont pas en mauvais état. On peut toujours les garder en cas de secours. Mais bon, si déjà, autant les changer quoi. Pas serré trop fort. Hop. Moi je dis à la main comme ça, hein. Ça me paraît pas mal. Hop. Et voilà. Je peux maintenant reposer mon aile définitivement puisque regardez ce qui a été peint. Là, je peux vous dire que ça fait vraiment fini. Hein. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Waouh. Bon, et puis au sujet de cette calandre. Bon, écoutez, je crois que j'ai changé d'avis finalement. Je préfère avoir une calandre en plastique plutôt qu'avec des bords chromés. Donc je vais répéter l'étape, donc je vais enlever la calandre et je vais mettre du coup celle en plastique qui je trouve conviendra un petit peu mieux à mes goûts. Hop, bah voilà. Ça va être sur une autre. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai gardé ce vieux isolant. Bon, vous verrez en fin de vidéo que l'ancien a été retiré et qu'un nouveau a été posé. Voilà. Bon, vous êtes prêts pour le résultat? Ah ouais, c'est quand même mieux. Franchement, je préfère. Ah, une chose aussi. Alors, voici mes petits insignes que je mate qui vont venir clôturer en fait les petites décorations à mettre. Alors, on a le 2 chevaux 6 qui vient là et le Citroën qui vient là. Alors je suis allée voir sur une autre malle, alors j'ai compté un espèce de truc, je me suis dit bah voilà, là je mets tant et tant d'espace avec mon doigt et donc voilà ce que je vais faire, je sais que ici il faut ça, et là je savais qu'il fallait cet espace-là. En gros comme ça. Voilà, vous comme ça c'est trop beau non? J'aime bien. Bon j'espère que ça va tenir. Donc ici, pareil, je fais avec ma technique là. Hein. Et voilà. Non mais franchement, c'est nickel là. Franchement, moi je suis trop contente. C'est trop beau. Ensuite, j'ai repris le dossier électricité en main. Toute la partie allumage fonctionne, par contre depuis que j'ai changé de faisceau, rien ne fonctionne. A commencer par le klaxon qui n'est pas branché. Du coup comme mon klaxon d'origine il fonctionne plus, en tout cas j'ai essayé de le brancher mais ça va pas du tout. J'ai pris un klaxon comme ça, un aigu, donc j'ai dû fabriquer un fil de masse. On va brancher le plus qui est connecté au faisceau. Ma masse je viens la faire prendre sur une vis de la barre de phare. Hop, comme ça. Je l'accroche pas tout de suite parce qu'on sait jamais. Et. C'est vraiment super fort. Bon, bah, il me reste plus qu'à l'attacher. Et puis, c'est good. Et là aussi, j'ai pu remettre l'aile définitivement. Hop.
Concernant les feux, j'ai remarqué un petit problème avec un des feux arrière lorsque je mets le clignotant. Voilà ce que ça fait sur un. C'est pas censé faire ça en fait. Par contre, ça marche bien. Donc je sais pas, il y en a un là, il va pas bien. Et attendez, si je freine. Ce feu est l'exemple parfait de ce que je devrais avoir et le problème c'est que de l'autre côté ça fait n'importe quoi alors que pourtant c'est branché pareil. Et à l'avant aussi. Non écoutez là on dirait que ça marche. Alors là les veilleuses elles marchent partout, devant, derrière, dans la cabine. Donc ça c'est déjà ok. Ça veut dire qu'il y a un truc qui se passe. Mais est-ce que ce serait pas ce machin là? J'ai pas voulu me prendre la tête plus que ça et j'ai profité qu'il fasse beau pour faire un essai et vérifier que mes premiers ajustements ont bien fonctionné. Honnêtement, j'ai beaucoup plus apprécié cette balade. J'avais plus confiance en la voiture et j'en ai profité pour agrandir la boucle d'essai. Alors, bilan de cette promenade. Le moteur tourne super bien. Par contre, en cours de route, je me suis arrêtée pour ajuster le câble d'accélérateur. Mais bon, après, c'était super. Petit bémol, le compteur ne fonctionne toujours pas, le freinage manque de réactivité et mes soucis d'électricité ne sont toujours pas arrangés. Alors, avant de me coucher, j'ai enfilé mes chaussons et je m'en suis occupée. Bon, alors écoutez, j'ai mis une espèce de rondelle gratte-tout, je sais pas comment on appelle ça. C'est une rondelle avec des pics comme ça que quand on enfonce comme ça, ça va... on se souvient, ce feu, il marche bien, par contre c'est celui-là qui marche pas. Donc on va voir ça. Déjà, on met les feux. Ah bah oui. Bah vous voyez, avant ça marchait pas. Là, ça marche. Là, on va voir avec les clignotants. Bah j'ai mis les warnings. Oh, chouette. Cool. Bon, bah on va voir si ça freine. Là, je vois pas bien. Je regarde dans la vidéo. Chouette, chouette, chouette. Bon. Bah écoutez, on a déjà résolu un problème. Ça, c'est super bien. Nickel. Pour la partie avant, je me suis occupée de nettoyer l'écosse, j'ai branché deux câbles qui étaient seuls et j'ai refait un test. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Chouette, non? Écoutez, ça me paraît vraiment pas mal du tout. Le dernier point noir, c'était le clignotant avant côté conducteur qui ne fonctionnait pas. D'après mes tests, a priori, il n'était pas à la masse. Et la cosse, elle était un petit peu sale. Donc là, normalement, dernier test et il y a toute l'électricité qui marche, c'est juste trop bien. Ok. Waouh. Là, ça marche. Et surtout, un clignotant, deux clignotants, les warnings et on fait des appels de phare. C'est génial, il y a tout qui marche. Chouette, chouette, chouette. C'est super. Le lendemain, j'ai démonté le câble du compteur et... Bon, je me suis cassé la tête à essayer de savoir pourquoi mon câble ne fonctionnait pas. Mais en fait, c'est juste parce qu'il est cassé. Regardez, quand je tourne... Là, ça tourne pas. Si, ça tourne très doucement. Alors que là, j'ai trouvé un câble d'occasion, mais qui fonctionne. Et là, vous voyez, là ça tourne. Donc bon... Ça devrait peut-être un petit peu mieux fonctionner, donc je vais brancher ça. Finalement, j'ai refait un test et c'est mon compteur qui est complètement bloqué. Résultat, j'ai cassé mon nouveau câble et il faut que je me retrouve un nouveau compteur. Et pour mon problème de frein, j'ai refait une purge. A priori, il y avait une sacrée bulle d'air à l'arrière et un paquet de saleté à l'avant. Résultat, la pédale est beaucoup plus dure, mais on verra ça au prochain essai. Et il est enfin temps de clôturer la partie carrosserie en posant la dernière joue d'aile qui a dû être repeinte deux fois. Tadam, regardez qui est peint. Par contre, regardez... Tadam, la coulure. Alors en fait, je ne sais pas peindre cette pièce sans faire une coulure. Je la détacherai dans quelques jours pour m'occuper de cette coulure. Si en attendant, j'allais la poser comme ça. Comme ça, elle est tranquille, quoi. C'est le dernier petit truc à faire en carrosserie, donc je suis trop contente. Ça me fait bizarre. Et ouais. Bon. Comme elle est encore un peu fragile. Oh, waouh. Mince, il faut que je mette le petit joint. J'ai oublié de le mettre... Bien voilà, c'est avec une deux chevaux complète que s'achève cet avant-dernier épisode. Je vous dis à dans quelques jours pour le dernier. Soyez au rendez-vous. Bisous.